Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Chapitre 2 l'explorateur Windows 7. Deuxième leçon le bureau. Au profit de nos chers élèves de la quatrième année primaire. Les objectifs identifier les parties d'un bureau sous Windows 7. Comprendre le rôle de chaque partie du bureau. Comme vous voyez ici, cette image représente un bureau sous le système d'exploitation Windows 7. On va découvrir ensemble quelles sont les parties de ce bureau. Avant de commencer, notion de base. Dans la vie au quotidien, vous déposez vos documents comme les lettres, les factures, les livres aussi, et vos outils comme les ciseaux, les règles, etc. que vous utilisez souvent sur un vrai bureau, soit en bois ou bien en métal. Et votre bureau est bien rangé ou parfois très mal rangé parce que vous mettez dessus trop de choses qui ne servent pas souvent. Regardez cette image. Cette image représente un bureau qui est organisé. Très bien. De la même façon, le bureau Windows sert à ranger les affaires que vous utilisez souvent. Ici, les affaires à déposer sur le bureau sont les documents comme les fichiers, les images, les dossiers et les outils comme les applications par exemple. Les documents et les applications sont représentés sur le bureau Windows sous la forme d'icônes. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire une icône. Alors, ces icônes sont placées sur une image d'arrière-plan appelée aussi fond d'écran. Cette image est appelée aussi fond d'écran. Comme ici, cette image qui représente un fond d'écran en bleu. Qui contient le logo de la société microsoft très bien maintenant avec les parties d'un bureau numéro 1 l'image représente le logo windows et le fond d'écran c'est l'espace où on va mettre nos fichiers et dossiers. Numéro 2, une icône. Une icône est un petit pictogramme ou bien une petite image qui représente un fichier, une application ou un dossier. Numéro 3, en bas à gauche, c'est le bouton Démarrer. On va le découvrir prochainement. Numéro 4, la barre des tâches, là où on peut épingler des raccourcis de nos programmes en cours d'utilisation. Et enfin, la barre de notification. Ici, on trouve des petites icônes de notification. Ce que je retiens, le bureau, c'est l'écran qui apparaît lors du démarrage de l'ordinateur bien sûr, et du système. Avec la barre des tâches en bas, les icônes et votre fond d'écran. Le bureau est en général l'endroit où tous les utilisateurs mettent leurs fichiers et dossiers. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt mes chers élèves. Au revoir.